asked for his blessing, we should believe that we receive it, and thank him that we have received it. Condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Someday, very soon, when the troubles of this life are over. And you're listening to The Drive Home Show on Lighthouse FM. The Hope Channel. C'est en 2003 que le Hope Channel a commencé à être diffusé en Amérique du Nord. Depuis lors, il est devenu un réseau mondial de plus de 80 chaînes en d'innombrables langues. De l'Irlande aux îles Cook, de la Suède à la Zambie et du Brésil à la Chine, le Hope Channel partage la bonne nouvelle de l'amour de Christ pour tous. L'Église adventiste du septième jour au Canada accorde une attention particulière à la proclamation des messages des trois anges par les médias. Puis, le 1er mars, le réseau du Hope Channel accueillera un nouveau membre. Hope Channel Canada qui aura sa propre identité visuelle, ainsi qu'un nombre croissant d'émissions produites au Canada par des Canadiens pour les Canadiens. Hope Channel Canada prendra sous son aile tous les ministères par les médias affiliés à l'Église adventiste du septième jour. Comme il est écrit, It is written Canada, Voice of Prophecy Canada, VOAR, Lighthouse FM et d'autres. Il s'agit d'une entreprise de médias complète dont les productions seront diffusées par câble, sur le web, par l'appli mobile, ainsi que sur Roku et qui s'adressera aux diverses populations du Canada à l'aide de différentes voies médiatiques. Vous êtes donc invités à devenir des porteurs d'espoir en donnant généreusement afin de soutenir notre engagement à aller à la rencontre des Canadiens là où ils se trouvent, à répondre aux besoins réels de notre auditoire, lequel provient de toutes les couches de la société. Cherchant des réponses à des questions sur la foi, le mode de vie sain, les prophéties, l'étude de la Bible, les relations et la communauté. Vos offrandes d'aujourd'hui contribueront à l'avancement de l'œuvre des ministères par les médias de tout le Canada et dans les divers auditoires, à la télévision, sur le web et à la radio, ainsi que les étudiants de la Bible à trouver la liberté, la guérison et l'espérance en Jésus.